nouvelle et actualité, nous t'ai dit d'entrée de jeu, ou gagne un commentaire sous ti léger passé-main, ou encore sur le passé-main, entre guillemets, passez-moi l'expression, qui fait dans le gouvernement. Bon, moi, je crois que nous vivons en Haïti des problèmes structurels sérieux et profonds. Et assez souvent, nous n'avons pas de moyens, actualité, gens qui fonctionnent, gens qui vivent, qui font politique en Haïti, pas même un dirigeant capable d'avoir assez de recul ou bien d'avoir le temps pour aller au fond des questions. Remaniement ministériel, là, j'ai l'impression que c'est on va qui fait pour calmer un peu le monde qui a besoin de changement. Bon, changement de quoi? Changement de personne. Pour faire quoi? Parce que les moyens sont les mêmes. Nos problèmes sont les mêmes, nos problèmes de fond qui fait payer, il n'y a pas qu'à marcher. Et j'ai vu une interview donnée par le ministre, l'ancien premier ministre Enel Jean-Charles, qui a dit la vérité pure et simple. Le système que nous avons en Haïti aujourd'hui, tel que nous l'avons conçu, et tel que nous avons expérimenté, quel que soit le monde nous mettait la donne, l'échec est au bout du chemin. Mais c'est décourageant, colonel. C'est pas décourageant. Si c'est un constat, si c'est la réalité. Ce sont ces réalités que nous devons voir pour faire ensuite ce que nous avons à faire. Est-ce que ça veut dire que la volonté ne suffit pas, la bonne volonté ne suffit pas? La bonne volonté, la compétence ne peuvent pas en Haïti aujourd'hui arriver à résoudre les problèmes du pays. Il y a trop de blocages et il y a trop, trop mauvaises mœurs qui viennent tourner le système dans même. C'est un système menteur depuis la conception, arrivé dans la dernière exécution. Par exemple, bagarre qui a passé dans la rue, son j'ai longtemps les mon demandé, où est mon gêné, mon n'a pas à l'aise pour demander, mon était un problème vraiment là chercher un secours côté. Je dis à demander à venir bah arrogant. Et c'est quand vous c'est l'homme n'a demandé c'est quand vous c'est Oudouil. Oudouil son obligation. Okay? Oui. D'accord. Mais surtout qu'il a pendu avec menace. Mais c'est même mal qui a passé dans tête pays à tout. Dans tête pays à. Par exemple, Nelgi qui a fait commerce, qui a fait business, qui refusait payer l'État, qui refusait payer impôt. Ça avait même arrogance là. Il a refusé payer impôt. Moun qui ministre, c'est même arrogance qu'il a subi le moun qui a fait un job ministre là. Moun qui député, moun qui sénateur. C'est le même problème, dans les députés avec sénateurs obligés, marron, zone côté Oélia, parce qu'il n'y a pas cabalé, dès que vous voulez faire un coup de com. Mais tout le monde sait un problème, ça. C'est le système tel que nous l'avons conçu. Nous montons un système menteur. Par exemple, pour diriger un pays, qui sont besoin de données statistiques ou pas capable de concevoir le développement du pays sous pas de statistiques. Descendre dans l'Institut haïtien de statistiques ou à Italie. Et une âme dit nous gain 11 millions, 12 millions, menti, nous pas prêts de donner ça à aucun côté. Maintenant, un pays qui n'a pas identifié citoyen, ou pas qu'on adresse citoyen, qui vont planifier pour lui. Donc, si nous disons ça, au départ, nous connaissons, nous baillons, ou menti. Par exemple, ou quel que soit ministère, bien, plus de près de la moitié de l'argent qui t'a fait pour faire ministère à marcher, qui vous t'a permettre que ou créer emploi, à touché par des mouns qui ne travaillent pas. C'est ça qui boit crise ou jeune pas qu'à un espace pour rentrer à travers l'État. L'État lui-même lui bloqué dans ce de concept que nous développons depuis combien de centaines d'années, nous parlons de mouns qui viennent comme. Comment on développer un pays alors qu'on rentre dans une guerre avec mouns qui viennent moyens économiques dans la même. Donc, tant que nous ne pouvons pas ranger, tout le monde a fait une blague. Donc, un remaniement ministériel, son bagage qui était pile pression pour le faire, même de mon bagage totalement ridicule, parce que ça va d'ailleurs. Oui, mais c'est une pression en garde de côté aussi. Ah, mais il sorti des organisations populaires, il sorti des éléments de l'État aussi. Des mouns qui ont demandé avec arrogance, des mouns qui ont besoin de plat manger par eux, en rien plus. En rien en plus. Ça va là tout même pour les parlementaires? Mais c'est un seul problème. Nous sommes un pays nous gâtés
et nous gâter depuis en bas arrivé en haut, même maladie ou a subi dans la rue, c'est même maladie ça qui dans tête pays. Donc nous monter un système côté nous casser les valeurs. Donc objectif réel que nous avons bien yo, que nous avons besoin yo, yo pas existé. Donc nous menti dans toute bagaille c'est menti. Et c'est à travers ça que responsable même obligé à jongler. Mais mauvais fonctionnement, système ça, blocage, la réalité, à colonel, c'est résultat travail nous-mêmes, haïtiens. Par quoi nous ne pas dire que c'est étranger qui fait le constat. Nous ne fait d'étranger là. Par quoi dire que c'est blanc qui produit ça pour nous. Sous besoin pour le problème pays, prend constitution que nous. Et pour après tout problème, tout est allé, tout là, en dans la constitution même. Ou bien par exemple, un président qui a fait campagne. Les faits population, c'est une province. Théoriquement, nous avons très bien dit, théoriquement, il a voté président sous base mensonge. Sous base mensonge. Promesse qu'il fait. Bon, nous avons une élection, son bail truqué. Système, nous avons fait système électoral, mais nous avons truqué. Au point que nous avons conscience que c'est vagabond dans l'élection. Ça veut dire que l'élection. Qu'a voté ou bien l'élection, tout le monde bien été la caillou. Même candidat, yo. Même candidat. Yo. C'est quoi de ma boule nous monter un pile menti? Je dis à pour un député. Faut, pour arriver député, suivant ça, je dis, dans le monde habituel, il faut dépenser au moins 250 000 dollars américains. Pour arriver sénateur, il faut dépenser au moins 1 million de dollars américains. On vous pose une question. Donc, son système qui produit ça. On est qui a travaillé dans la ville, par exemple, je suis 38 ans. Donc, je suis 38 ans pour manger, pour me occuper de la famille, il faut me pomper toute la journée. Dans la Bible, on dit c'est à la sueur de ton front, même c'est à l'eau de mon corps. Je suis arrivé à économiser 250-300 000 dollars. Est-ce qu'on pense que la famille, ou bien moi-même, tout c'est dans la logique, je suis arrivé à la ville, je suis mis le mal dans la campagne pour me faire un bien pour me faire député. On ne peut pas faire. On est qui sénateur. Il veut dépenser 1 million de dollars américains pour le cap d'un sénateur. Question, c'est un investissement. L'homme investit ou pas investi pour perdre. Ou investi pour gagner. Or, l'autre après tout le sénateur qui a touché pendant tout le mandat là, il n'y a pas de 300 000 dollars américains. Oui, mais il y a les privilèges. Mettez tout ensemble. Les privilèges visibles. C'est ça. Et la problème d'ailleurs, prend tout privilège que nous connaissons. De nous-mêmes, de ça que nous faisons. À qui est-ce que nous devons imputer responsabilité à? Un. Deuxièmement, colonel, qui côté nous parler? Mais c'est ça qui fait. Là, nous obligés de camper. Et grand pile nous dit, well, nous obligés de camper. Ok? Nous obligés de camper. Un premier élément réponse à. Camper ça. C'est pour faire qui ça? Et c'est comment camper ça doit manifester ou matérialiser? Madame, est-ce que les états généraux dont il a parlé aujourd'hui, hein, est-ce que ce n'est pas l'occasion idéale? Le président Jovenel Moïse a commis une erreur stratégique énorme. Énorme. Par contre, pour qui ça? Parce qu'il a tellement parlé du bagaille ça dans la campagne, qu'il n'avait qu'une seule possibilité. Une possibilité et une seule, dès que tu rentres dans le palais national, premier dossier que vous mettez en place, c'est l'État général. Premier dossier. Mais le gouvernement, le 7 février à combien avril, c'est lui qui vient mettre le gouvernement début mars. Jusqu'en avril, mon gouvernement commence à marcher. Il n'y a pas de cap fait rien. L'LDMTA, il passe toute année, il n'a pas fait rien, il continue pas qu'à faire rien toujours. Mabdou, l'homme nous ça, c'est de rentrer dans des projets qui pourraient modifier l'espace haïtien lui-même. Pour qui ça? Parce que ce sont des gens qui sont tout bloqués au départ. Regarde par exemple. Il n'y a pas un rôle stratégique encore colonel. Si tout le monde, je vais l'expliquer. Maintenant, qui seul bagaille qui devrait faire, c'est de mettre le gouvernement. Comment ça voulait et engager le dialogue. Il n'y a pas de gagner opposition qu'on voit gagner là. Maintenant, il y a engagé ça pour moi-même avec 9 mois
un an de retard. Et ensuite, mal engagé, mal préparé. Donc, commencez à courir. Une bonne objection, colonel. Vas-y. Et on dit il va gagner opposition que le gagne là. Non. Mais c'est même opposition, j'ai toujours gagné depuis l'élection jusqu'à aujourd'hui. Opposition pas amplie. Qui est sous gagné comme opposant? Cela ne se passe pas comme ça. Tout au début, pendant les 4 premiers mois du président Jovenel Moïse, il n'y avait aucune opposition. Il y avait un calme plat, un temps d'observation. Et ce n'est pas lui-même qui demandait. Ce n'est pas Mounio Tebalil, il rentre dans la réalité fonctionnelle de la politique. L'homme ne fait que vous pouvoir, on peut le moins calmer de près de 6 mois. Il y a, par exemple, les questions qui se posent généralement après les 100 jours. Et c'est presque une tradition qu'on a parlé des 100 jours, donc après les 3 premiers mois de fonctionnement du gouvernement. C'est à partir de là, et l'opposition va commencer, jouer une matière pour la tête ou existence. Or, justement, Mounsaïo, parce que le gros danger que nous avons, chaque opposition que nous faisons en Haïti à un gouvernement, opposition n'a jamais de solution à un gouvernement que l'a critiqué non plus. Donc, pas d'alternative. Il n'y a pas jamais préparé l'alternative. Premièrement, il n'y a pas de centre de réflexion et qui est commun. Moi, je dis, tout le monde qui parle de questions politiques en Haïti, il est sous blague. Il est sous blague avec un bac extrêmement sérieux. Et sous besoin qu'on essaie sous blague, prends une caméra à télévision, descend dans l'Institut haïtien de statistiques. Parce que tu ne peux pas pour un pays concevoir, planifier, si tu n'as pas les statistiques. Mm-hmm. Par exemple, un bon dossier qui coûte la sécurité. On t'a dit, même, mon cher, vous avez deux trois idées sur affaire sécurité. Et prends un bac sécurité pays. Nous sommes chasse. Nous avons fait deux trois coups qui sont bons. Même les droits pour un pile gagant tout que pas capable, pourquoi? Est-ce que vous avez retourné là sur l'expérience pour faire dans le bureau secrétaire d'État sécurité publique là? Non, moi-même, je dis dans le bureau secrétaire d'État sécurité publique, son seul dossier que j'ai eu. Élection, vous voyez? Élection, point. Je rentrer sur la sécurité publique. C'est assurer que l'élection est faite par les autres passés là-dedans. Je ne vais pas gérer encore. Ou pas gérer aucune structure pour faire quoi que ce soit. Comment je vais assurer la sécurité dans un pays où les citoyens ne sont pas enregistrés, où les citoyens n'ont pas d'adresse? C'est me dire ça. Colonel Rébu, c'est comme si vous avez dit, mon qui a quitté le pays, quitté lui, ça ne t'a pas. Justement, il faut connaître le problème. Yo, parce que le problème n'est pas sans solution. Le problème n'est pas sans solution. Comment on va résoudre? Vous avez des statistiques, je vous dis là. Est-ce que vous avez dit que. Mettons-nous à faire ce que nous devons faire. Par exemple, maintenant, il y a une discussion qui a faite entre magistrats, avec le ministre de coopération ou le ministre intérieur pour faire fonds collectivité territoriale. Mais posez-vous une question. Qui ça fonds collectivité territoriale a fait nommer ou n'est qui ministre de l'intérieur dans Port-au-Prince alors que ce problème qui vient, c'est Jean-Abel? Donc, côté de la Chida, le bureau de la Port-au-Prince. Non, mais le ministère de l'Intérieur et les collectivités territoriales. Avant ce que pour collectivité, là, on entité pour contre lui. Non, collectivité territoriale fait pour le parti avec moyens pour résoudre le problème local. Le ministère côté il n'a pas cap contre le problème Jean-Abel. Il n'est pas cap contre le problème Jean-Abel. Donc, solution à problème Jean-Abel, il n'est pas cap tributaire du ministère. Donc, c'est deux anomalies que le système nous gagne à monter. Par exemple, un maire. Regarde le maire que nous avons, Adelma. Où est son équipe propre? Il y a une vision, il y a des idées, mais il y a un moyen pour l'implémenter. Delma a trouvé le même moyen que rien. Nous n'avons pas de chance de tout progrès à nous la donne. Donc, il y a un pile de monde comme Wilson jeudi, dans un pile de mairie, dans un pile de province, sauf que nous abandonnons sans aucune assistance technique. Les jeunes qui viennent faire étudier, nous pas fait retourner dans la commune côté pour qu'ils mettent savoir et savoir-faire en assistant les maires qui sont personnel politique. Donc, nous pas organisé le pays pour le développer. Haïti n'a rien à voir avec un pays pauvre. La pauvreté que nous vivons là, est tout simplement dans la tête. Moun gap dirige yo et système que nous montrer. Et si nous pas changer système là, quel que soit bon moun nous mettez, n'a toujours gagné même plein de nous.
n'a toujours bien difficulté pour garder voisin en tout parce que voisin elle quitte nous. On pas d'accord ça. Mais voisin était derrière nous. Il est devant nous. Voisin était derrière nous. Avec colonel. C'est nous-mêmes, au lieu de nous marcher nous faire battre. Ah ben ça veut dire que une génération d'hommes si nous de devant. Il prend devant nous couille là en 1946. De 46 à 49. Le président du Marseille estimé a inauguré bicentenaire. Le président Léonidas Raphaël Touroukeyo, Livini, non, foi universelle, exposition universelle. Il dit là, pour retourner ce domaine, il peut travailler pour 10 ans pour ce domaine capable de sembler à bord de presse. Tout mal est con, ou est, il a créé, il a pris ce modèle bicentenaire. Il a inspiré le lit. Al prend, l'on va dans Punto Cero en République dominicaine. Quand on voit une grosse arche là, c'est devant moi pour un copil. Sauf que vous faites le plus grand, c'est nous. Oui, mais les connes plus grand que bicentenaire. Donc, toute photo, allez dans la photo des années 40, de 46 à 49, ou après, grand arche qu'on voit Saint-Domingue là, dans Punto Cero, c'est dans mon point un copil. Mais, colonel, la message que ça dit tout à l'heure, c'est que une génération d'hommes. Vous oubliez une génération de penseurs et de dirigeants, ou encore plusieurs générations qui t'a responsable. Si plusieurs générations qui viennent, ça a eu les viciés, ça a eu les politiques là. Je vous dis, on a vivre en situation, en Haïti, tout le monde de bien passant, qui connaît qui sont rapport humain et rapport social, qui connaît qui j'aime monde vivre avec moi et qui j'aime monde vivre dans la société. Mais pour parler politique, il aurait tiré quoi? Oui. Bon, alors, il y a des expériences qui font ça tout. Et parce que l'enlevé aux jeunes parents, on dit attention, parfois, il y a un politique ou même. Voilà. Parle, fait journaliste, donc parle en parti politique et autres. Donc, nous construisons une manière de penser qui permet que la pensée positive éloigne de la question politique pour permettre que ça, pour permettre que ces vagabonds, bandits, volets, vicieux, c'est eux-mêmes qui ont fait politique, et qu'on y a bandit ou les vicieux, ça a vu une montée systémique, c'est lui-même la plaie de l'Éodia. Donc maintenant, et on va regarder la statistique élection, on va voir ça. Le par exemple, on a environ 5 à 6 millions de gens qui sont capables de voter, et pour le président a passé à 500 000 voix. Cela veut dire quoi? Il y a un pile de gens qui est chita à la caillou qui n'ont pas participé, mais ça, on va connaître. C'est que conséquence, moun sa yo qui anormal yo, c'est yo même y a payé. Nous instituons parole en Haïti d'une extrême gravité, gratiste chez eux. Nous voulons faire moun yo quoi que gen un bagage que nous avons de manière gratuite. Or, pas gen rien qui est gratis dans la vie. Mais c'est quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez gratisé chéri, donc son bail qui est l'état, vous avez appris, c'est la même mentalité de gratisé chéri qui est nègre dans la rue, c'est la même mentalité qui est tête nègre qui est ministre, ou bien dans l'entourage de nègre ministre. Ou nègre qui est ministre en Haïti, nous avons été en prison, vous voyez. Moi, j'ai connu le stress une seule fois dans ma vie, c'est quand j'étais ministre. Colonel, on prend une pause et puis on peut retourner parce que la question est à généraux, parce que je vais poser des problèmes là, je dis, hein. Il faut nous comprendre que ce n'est pas étranger qui a venu résoudre pour nous, c'est nous pour résoudre. Or, il y a des possibilités pour nous tâcher pour nous discuter de eux et ensemble trouver des réponses ou encore des solutions à problème. Ça. En retournant sur la question état généraux avant que nous prenions l'autre point avec nous dans la deuxième partie de l'émission, colonel. Il n'y a pas de souci. Vous.